Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, je vous présente la correction de l'examen régional normalisé session juin 2019, épreuve physique-chimie, la région Casablanca, STAT. Exercice 1. Complétez les phrases par les mots convenables de la liste suivante: rotation, translation, mouvement, accéléré, position, retardé, uniforme, circulaire, rectiligne. 3 points. L'état de repos ou l'état, la contrainte de repos, si mouvement d'un corps solide est déterminé par rapport à un corps de référence. Le trajectoire d'un point d'un solide mobile de l'ensemble D occupé par ce point, c'est des positions. Occupé par ce point lors de son mouvement. Un solide en mouvement, aïe, jismifi haraka, de tous ces points, aïe, un nokat, al-masar circulaire. Le type de mouvement, c'est la rotation autour d'un même axe. Un solide et en mouvement de, pour répondre à ce qu'il faut lire cette phrase. Si tout segment reliant deux points quelconques, tu vois, ça conserve une direction constante. Et tu as fait tout à la étigée, tu habites, il y a de translation. Si la vitesse d'un mouvement diminue, c'est-à-dire si la vitesse diminue au cours d'un temps, il y a un mouvement. Un mouvement quoi? Un mouvement retardé, il y a. Si la vitesse d'un corps mobile augmente, c'est-à-dire que la sura tartafi, il y a un mutaharik au cours du temps, le mouvement, son mouvement est accéléré. Deuxièmement, répondre par oui ou non devant les propositions suivantes. Dans une installation domestique, la puissance électrique se mesure avec le compteur électrique. La puissance électrique, si. Faux, non. Pourquoi? Parce que la puissance électrique se mesure avec un wattmètre. Ou bien, le compteur électrique se mesure avec le compteur électrique. La loi d'Ohm relative à un conducteur ohmique s'exprime par la relation U, U égale R fois I. Oui. La Terre est immobile par rapport à un corps de référence lié au centre du Soleil. La Terre est immobile, mais par rapport à référence, par rapport à Anna, la Terre. يقول بأن الأرض في أوروبو أي غير في سكون بالنسبة للشمس وهذا خاطئ فإن نقول بأن الشمس تدور حول الأرض إذن بالنسبة لهذه proposition سي نو La Terre effectue un mouvement de rotation autour de l'axe passant par ses pôles c'est-à-dire الأرض un mouvement de rotation. Si, oui. Troisièmement, le graphe ci-dessous représente la distance des kilomètres parcourus par une voiture sur une route rectiligne. En fonction de temps, minute, répondre par vrai ou faux devant chaque proposition. 3.1. Le mouvement de la voiture est rectiligne accéléré. C'est faux. Pourquoi? Parce que regardez bien. Là, j'ai dit, elle a coulé 15 minutes. Il va, tu vois, faire une rectangle, mais ça va 25. Ben, c'est délicat. 25. زائد 55 هي 50 اذا 15 30 اذا فان كل مسافه ديال 25
فإنه يقطع 15 مينوت أي 15 دقيقة. شاك 15 مينوت il va parcourir 25 minutes. Ce n'est pas accéléré. On va voir la réponse. 3-2. La voiture parcourt la distance 45 km pendant 75 minutes. 75 minutes. Regardez bien. 45 minutes, il va parcourir donc 45 km. Ce n'est pas 75 minutes, il y a 45 km, c'est-à-dire 45 mm, c'est pendant 15 minutes. Pour cette question, c'est faux. La vitesse moyenne de la voiture est 100 km par heure, c'est-à-dire il va parcourir 100 km par heure. On va voir. Heure, combien heure, combien de minutes? Il y a 60 minutes. 60 minutes, on a 100 heures. C'est vrai. Le mouvement de la voiture est rectiligne uniforme. C'est vrai. Parce que il parcourt 25 km dans 15 minutes. Exercice 2, partie 1. C'est ici la poussée d'Archimède. Ou bien, oui, il y a un navire flottant à partie 1. Un navire flottant à la surface de l'eau en équilibre. Et l'équilibre figure ci-dessous. L'eau exerce sur le navire une force d'intensité F. On donne la masse du navire, l'intensité de pesanteur G, G le centre de gravité du navire, C c'est le point d'action de la force F. On rappelle 1 tonne égale à 1000 kg. Faire le bilan des forces et appliquer au navire, et aujourd'hui le kéwal motabaka à la safina, et au classant suivant qu'elle en contact aux distances, c'est-à-dire ça n'est pas il a TMS. Il a TMS soit un boîte. Mais ce pas TMS. Il donne un SML qui TMS un Safina ou un met. C'est une force de contact. Il a la force de exercée par l'eau sur le navire. C'est une force de contact. F. Il est en équilibre. Quelle est l'autre force? L'autre force est toujours existe, voyez la force de la terre, c'est-à-dire le poids de navire. Si paye, on ne dit pas paye. Paye le poids du navire, force à distance, force exercée par ou bien force exercée par la terre sur le navire. Deuxièmement, donner les caractéristiques. Et atteignez-vous à la quoi paye, voyez exercée par la terre sur le navire, voyez le poids du navire. Le poids de la terre, ou bien la force de la terre. La terre, c'est-à-dire la terre, c'est-à-dire le Kora al-Ardiya. Il faut faire T majuscule. Les caractéristiques de P. Les caractéristiques de P, c'est-à-dire les caractéristiques de le poids et de l'Ard. Vous voyez, le point d'action, c'est donc tir, ou droite d'action, ou le sens. L'intensité est chida. Le point d'action. Le point d'action du poids. Le point d'action, je vous dis le poids. Le poids, c'est-à-dire la terre. On va revenir, on a G, le centre de gravité du navire. C'est-à-dire que le poids de la terre, c'est le G. C'est le centre de gravité. G, le centre de gravité du navire. Point d'action sur le G, le centre de gravité du navire. Deuxièmement, le droite d'action. Toujours la droite d'action du poids, c'est vertical, passant par G. Vertical, passant par G. La troisième caractéristique, c'est le sens. Le sens du poids. Toujours vers
Nous sommes toujours vers le bas, mais du G vers le bas, le sens. Pour l'intensité. L'intensité, on n'a pas l'intensité. Ici. Qu'est-ce que c'est l'intensité avec, on a dans la masse. P, on va déterminer P. P égale à M fois G. M, c'est 46 000 tonnes. On va convertir en kilogrammes, puis on va multiplier par G. Il nous donne P égale à M fois G, c'est-à-dire 45 000 multiplié par 9,91 tonnes, newton, pardon. On va le convertir en kilogrammes. On va multiplier par 1000. Il va donner cette expression, c'est-à-dire c'est le P. Ensuite, troisièmement, précisez, on justifie votre réponse les caractéristiques de F exercées par l'eau sur le navire. Justifie la réponse. On dit que le navire est en équilibre par deux forces. Quelle est la loi d'équilibre? C'est-à-dire qanun tawazun jism. Yaqulu qanun tawazun ida kan jism fi khalil quwwatayn fa inna alquwwatayn lahuma manhayan mutaakisan nafs khat at-tathir wa nafs ash-shiddah. C'est-à-dire huma même tension. La loi de l'équilibre. Même droit d'action, même intensité, mais de sens opposé. C'est-à-dire, le navire est en équilibre sous l'action de deux forces, F1, F et P. Et d'après les conditions ou bien la loi de l'équilibre d'un corps soumis à deux forces, les deux forces sont même droite d'action et même intensité et même sens. Sens opposé, c'est-à-dire même droit d'action et sens opposé, c'est-à-dire la loi. Il s'appelle F. راه متعاكسه بالنسبه للمنحى ولكن عندهم نفس الشده. بالنسبه لينا دابا نبحثوا على الكاركتيرستيك دو اف، اي مميزات القوه اف، وهي قوه الماء. قوه الماء اون ادون ديجا لو بوان سي، سيتادير كيسكو سو لو بوان سي. لو بوان سي سو لو بوان دو كونتاكت انتر لو نافير اي لو، هذه هي نقطه التاثير. اذا لو بوان d'action, c'est C. On va le mise à tenir. Vous voyez, le droit d'action. Le droit d'action, il y a le P. Quel est le P? Le droit d'action. Pour donner le droit d'action de F, il faut revenir à la loi P. A1 vertical droit d'action, il faut que F soit vertical. Et passons par C et G, même droite. Droite verticale, passons par C et G. Le sens opposé, le sens de P vers le bas, le sens de F, c'est vers le haut. Et du point d'action, du C vers le haut. Pour l'intensité, elles vont à la même intensité. On a déjà fait l'intensité de P, c'est-à-dire c'est la même intensité de F. C'est-à-dire F égale à P égale à cette valeur N. Pour la représentation de la figure de F, c'est-à-dire on utilise cette échelle. On a 1 cm égale à cette valeur. Pour cette valeur, on a X. La règle de 3, on va obtenir x égale à 2 cm. Et on peut représenter f par une flèche, ou sem. Le sem, il a 4 points. Droite d'action, c'est Hamil sem. Le sens de la force, c'est le sens de sem, de la flèche, c'est-à-dire men sem. والانتوسيت وهي طول السهم بالنسبه اذا قمنا ب معرفه ابي اخذ هذا الاشيال سيتادير 2 سنتيمتر اذا الديبار ديالو يكون من هنا الى نحو الاعلى اذا هذا هو السهم شتي اذا من الاف من 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 السي عفوا من السي الى اعلى وهي اف وهي 2
centimètres. Principale partie تانية وهي partie ديال exercice grand 2 ولكن partie تانية يتعلق بالكهرباء. Une installation électrique domestique est protégée par un disjoncteur général 20 ampères figure ci-dessous. On a 20 ampères si l'intensité. Le climatiseur fera repasser, miquette, ou un climatiseur, ou une lampe. L'installation domestique est alimentée par 230 volts efficace. C'est l'intensité efficace de ce montage. Calculer l'intensité du courant électrique passant par le fer à repasser, c'est-à-dire la fer à repasser, lors de la fonctionnement normal, en déduire la valeur de sa résistance. On va faire qu'est-ce que c'est l'intensité. Quelle est l'intensité? On a P égale à. On va voir l'intensité. On a P égale à l'intensité de fer à souder, c'est-à-dire P égale à U fois I. L'intensité du courant électrique de fer à souder, P égale à U fois I. Puis I, I d'où I égale à P sur U. On a P, c'est-à-dire P, c'est 1840 watts. Sur U sur 200 volts. On en donne 8 ampères, c'est-à-dire I, 8 ampères. Pour la résistance de électrique de fer à souder, vous voyez, il y a un peu de carabéia. Comme carabéia, nous avons un canon ohm, U, la loi d'ohm, U égale à R fois I. Sur la valeur de la résistance R, on a, d'après la loi ohm, U égale à R phi. D'où U, R égale à U sur U. U, c'est 230 volts et I, c'est 8 ampères. On va obtenir 28,75, c'est-à-dire R. Deuxièmement, le visible dit ampère choisi pour protéger le fer à souder est-il convenable? Il faut comparer le l'intensité qui passe par, voyez, Shidetia al-Marafi, la fer à repasser, il y a 8. Vous voyez qu'il y a visible 10 ampères. Mais c'est le Shidetia visible, Akbar, mais Shidetia al-Mar. Il est convenable. Puisque 8 ampères inférieur à 10 ampères, ou bien 10 ampères est supérieur à 8 ampères, le visible là est choisi, protégé et convenable. Troisièmement, calculer l'énergie électrique consommée par le fer à passer en joules, de valeur en watts ou bien minutes joules, pendant 30 minutes, c'est-à-dire demi-heure, c'est-à-dire 0,5 heures ou bien 1,2 heures fonctionnement. On a fer à souder 230 volts, il donne 230 volts, il donne 1800 P. Qu'est-ce que c'est E? E égale à P fois T, c'est-à-dire P. 1830 watts multiplié par 30 minutes. 30 minutes, c'est-à-dire 0,5 heures ou bien on va pour joule. Pour joule ou bien pour watt. Pour joule, il faut convertir 30 minutes en secondes. On va voir démarche en joule puis en watts. On va convertir 30 minutes en seconde, c'est-à-dire P fois T multiplié par 1840 watts multiplié par 30 minutes. On va convertir 30 minutes en seconde, c'est-à-dire 1 minute 60 secondes. On va multiplier 30 par 60 minutes. Il va donner 3 312 000 joules. Pour le
What heure? Pour le watt heure, on va, pour passer du joule en watt heure, on va diviser par 3600. On a E watt heure, c'est-à-dire cette valeur, on va le joule, on va faire cette valeur, on va multiplier par 3060 watts heure, c'est-à-dire il nous donnait à peu près 920 watts heure. Il اعطينا اذا بالنسبه لنا بالجول بالنسبه للوات اور خصنا ندوزو خصنا نديفيزيو بار 3600 لي دو دو كاتريمون لي دو لي زو دوردر فيزيبل سون تيل كونفونابل بور بروتيجي لو كليماتيزور اي لا لامب جيستيفي فوتر ريبونس. اذا بالنسبه للفيزيبل الفيزيبل شحال عندنا سيدي les deux autres visibles sont-ils convenables pour protéger le climatiseur et visible. Adna avec 10 ampères au chimkilina et protéger l'inel. Il faut d'abord calculer l'intensité du climatiseur et de la lampe. La même chose qu'on a fait au faire à repasser. Pour le climatiseur, on a P, c'est-à-dire U est égal à P, il y a U est égal à P sur U, on va faire 12 ampères. 12 ampères, pour comparer avec 10, il est plus grand et supérieur. Donc 12 ampères supérieur à 10 ampères, non, il n'est pas convenable. 12 ampères supérieur à 10 ampères, donc le visible n'est pas convenable pour la climatiseur. Pour la lampe, la même chose, on a P égale P égale U, I égale P sur U. On va faire la même chose, on va obtenir 60 sur 230 volts, 0,26 ampères. Il est convenable parce qu'il est inférieur à 10 ampères. 0,3. La lampe est à 0,3, donc le visible est convenable. Le visible de la lampe. Dans le cas où on change le visible du climatiseur pour un visible 16 ampères, est-ce que tous les appareils du montage domestique peuvent fonctionner en même temps? Pour la réponse, pour cette question, il faut calculer l'intensité totale, c'est-à-dire l'intensité de total, c'est-à-dire l'intensité du climatiseur, de faire à repasser, et de la lampe. On va trouver cette valeur. On a du climatiseur plus l'intensité de faire à repasser, plus l'intensité de la lampe, égale le climatiseur, c'est 12 ampères, plus 8 ampères de faire à repasser, plus 0,20. On va trouver 20. Comparer 20 ampères avec 10, avec 16 ampères, on dit que l'installation qu'on a n'est pas dans le montage. Est-ce que les appareils fonctionnent? Ils ne fonctionnent pas. Donc on remarque que l'intensité totale est supérieure à l'intensité maximale de l'intensité domestique, c'est-à-dire U total est supérieur à 20, U total est supérieur à 20. Donc on ne peut pas utiliser tous les appareils du montage domestique en même temps car le disjoncteur se déclenche et coupe le courant dans toute l'installation. Exercice 3, c'est la plus difficile, mais ce n'est pas difficile, mais les élèves disent que le Titanic est difficile. On va expliquer étape par étape. Pour la vitesse moyenne ou bien pour la mécanique, il faut faire un schéma. On va voir pas à pas. Petit petit golo, khotwa bi khotwa. Iden, à 23h40 dans la nuit, c'est-à-dire 23h, la nuit,
Le navire britannique avance avec une vitesse, c'est-à-dire une vitesse de 22,5 nœuds. On va convertir un nœud en kilomètres par heure. Puis, le veilleur aperçoit, c'est-à-dire, le veilleur, le veilleur aperçoit un iceberg. Jebel Jelili, droit devant lui, à 500, c'est-à-dire, iceberg. Jebel Jelili, devant lui, 500. Il a la distance d'Yelon, c'est 500 mètres. Il sonne la cloche et transmet le message à l'officier de bord. L'officier qui fait stopper les machines. Il a stoppé la machine. Il stoppe la machine. Il stoppe la machine. Il stoppe la machine. Il stoppe la machine. Stoppe la machine à 23h40 minutes 7 secondes. Et essayer de faire changer la direction, c'est-à-dire le freinage. Il y a un machine qui a le freinage. Il y a dans la direction, mais je vais dire que le Jebel Jelili. À 35 secondes plus tard, il y en a 35 plus tard. Il y en a plus tard. Le navire heurte l'iceberg. Il y en a plus tard l'iceberg. Il y en a le TF, il y a la direction 37, 37 secondes. Ou il y en a DR. On a DF. إذا هنا بالنسبة لهذا هذا هو اللي هنا اللي كاين دابا هنا نشوفوا الأسئلة اللي كاين لا ريبونس أو بالنسبة لي كيستيون اللي غيطرحوا لينا وبالنسبة لهنا كلوش إنسي هنا إيش قالوا هنا بلو تار لو نافيغ أورت ليزبيرغ لو شوك أوفر إنسي أون فوا دون دون لو كوك دو تيتانيك لو تيتانيك كول أونتييرمون أ دوز أور إذا الوقت اللي غرق فيها وهو النافيغ هو دوز أور 20 minutes. بالنسبة لهذا راه هو حقيقي لأن تقريبا هذا تيتانيك وهو تقريبا معتبر غير إنجليزية ولكن هما بالنسبة للأمريكان وبالنسبة لهذا تيديروا هاد النو وهو العقدة. إذا بالنسبة لينا هادو قياسات حقيقية حنا نجاوبوا على هاد الأسئلة من خلال هاد المعطى. إذا ديتيرميني لا ديستانس أون متر باركوري باغ لا le navire entre l'instant du vu et l'iceberg, l'arrêt du machine, c'est-à-dire DR. On a de la vitesse, on dirait que c'est environ 1 km par heure. On a DR. On a vu le navire coule à 2h20. Et donc, je vous ai la question, première question. La première question, je vous ai dit. بالنسبة لا غولاسيون اللي نديرو اون في ايكال في دي ار اذا بور انا اون فا كالكولي دي ار في 22 سي تادير 22 اي 22,5 نو اون فا كونفيرتير اون كيلومتر بار اور بوي اون فا كونفيرتير اون متر بار سكوند بور لو تون de TR. Le temps TR, ou à Binsba, le départ d'Yelha, qu'on a 23-40 minutes. 23-40 minutes, départ d'Yelha. Ou à Kimli Stoppat la machine, 23-40 minutes, 7 secondes. Il n'y a pas de TR, ou à le temps de réaction. Il n'y a pas de TR. و 7 سكوند اذا هنا عندنا دي ار تيغال في تي ار اذا عندنا في اون فا كونفيرتير في نو اون فا ميتيبلي بار 1,858 كم بار اور سي دا 41 اون فا كونفيرتير كون هم سون بور كونفيرتير اون فا ديفيزي بار 3,6 كم بس متر بار سكوند بور تي ار سي تادير تي سي تادير سيت le temps a de le temps nous sommes a de le temps il y a 7 secondes puis on va faire l'application numérique c'est à dire que l'ADD il y a DR égale à V fois 11,575 mètres par fois 7
On va voir, on voit 80,025 mètres. Pour deux, déterminer la vitesse du navire entre l'instant de l'arrêt du machine et l'instant de collision. Il a déterminé la vitesse moyenne. Mais ce là de la vitesse moyenne, il a la vitesse li redébit la machine ni dert stop dire la machine. إذا اش خصنا نديرو بحال نقولو الدائر اولا كاين عندنا هنا عندنا الدائر هي هادي وعندنا الدي هو لا ديستانس لان هنا عندنا بحال الدي هي لا ديستانس داغي دابا هنا لان عرفنا فين كاين عرفنا حنا فين كاين سي الايسبرغ اذا عرفنا المسافه اذا هادي هي الدي ا اذا بالنسبه لينا الدي في هي الدي اف الدي اف فريناج بغينا نلقاو في لا فيتيس La vitesse ou à quoi? Adna hna a n. Iden adna d f y d d a moins d r. Ou à la distance n'a pas cédé. Iden y est dit. Principal t t. Regarde hna 37 secondes. Iden dirou hna division. Division par iden l'addit. Il divise par 35 v égale à 11,323 mètres par seconde. On va convertir en kilomètres par heure, c'est-à-dire multiplié par 3,6. Parfois, on voit cette multiplication. Troisièmement, le navire le plus proche du Titanic est le Tarpatia, qui se trouve à 93 km du Titanic. Pour arriver sur le lieu du sinistre du Tarpatia, se met en route à 23h45 minutes avec une vitesse moyenne de 11,82 nœuds à cause du désespoir. Sa vitesse moyenne certainement normale est 14 nœuds. Déterminez en justifiant votre réponse, le Carpathia arrive-t-il sur le lieu avant que le Titanic ne coule? Est-ce qu'il arrive au temps ou bien non? Pour répondre à cette question, il faut calculer le temps que Carpathia va faire. Puis on a le départ ديال هذا وحنا بغينا نعرفو لاريفي ديال الوقت واش هي توصل في الوقت المناسب ولا لا. اذا بالنسبه لينا V تيغال D سو R c'est-à-dire T تيغال D سو V. كيسك كو دي D هي D هو D sur V. Adna D. Wahoua. La distance, l'ikei. Wahoua. 93 km. Binsba. La vitesse. Wahoua. 11,82 nœuds. On va multiplier par la valeur de conversion. On a V égale 11,82 multiplié par la valeur de bin l'okda en kilomètre. Il y a dit 21,82. Binsba D. Il y a dit. Ah, il y a D. Adna. 5 km et 93 km. On va diviser par 93 par cette valeur. On va voir que il y a 4,2485 heures. Pour calculer la distance, calculer le temps qu'il fait, il fait 4 heures. On va convertir en cette valeur en heure par minute par seconde. Net égale à 4, dans cette tariqa ديال l'ibtidaï, ديال le primaire, parce qu'on convertit, on a de la valeur, on va faire 0, pour on va multiplier par 60 secondes, puis minute par seconde, on va voir 4 heures et 14 minutes par seconde. L'heure d'arrivée. On va faire l'heure d'arrivée, c'est-à-dire aide l'heure, a dit. On dit où elle est, mais il va départ à départ à le temps qu'il va faire. Ça n'a rien. Mais ça tout seul, ou ça tout seul, le bel mal, le temps qui regarde sa fine ديال Titanic. إذا ناشا نديرو لا صوم ديال هذا مع هذا
Ah, voilà, somme dire. Iden, l'heure de l'arrivée de Tarnia, ou à de la somme T égale nos bâtiments majuscules, Edna a de la somme, elle a dit, Iden a de plus, a de la valeur, Edna 3h45. 3h59 minutes, 54 secondes. Donc le poignet arrive sur le lieu de l'accident après que le Titanic coule. De 1 heure. Il y a une partie là. C'est de 12 heures, 35 heures. Il y a un peu de temps pour faire le temps. Je vais dire. On va faire l'heure de l'aide. L'heure de l'aide coule. Il y a un peu de temps pour faire le temps. On va faire le temps. C'est de 1h35. باش عرفنا نشدو هاد لو طون اللي توصل فيه هاد كارباتيا وهي سفينه انقاذ مع ديال اش مع ديال لور اللي غرقات فيها وهي شحال غرقات هي غرقات في 2 20 مينوت اذا نشدو هاد العدد نقصو منه فاش غرقات نلقاو بها هي 1h39 مينوت هذا هو الدار الى هنا اللي تهمنا هو ان السفينه كارباتيا وصلات بني غرقات تيتانيك بواحد ساعة 35 إذا هنا لا ريبونس اسكي اريف سور لو ليو نو il faut justifier la réponse إذا هذا هو بالنسبة ديال تيتانيك إذا بالنسبة لكم نتوما راه بالنسبة سميتو بهاد الأجوبة ولا هاد il faut faire une justification هو التعليل il faut faire étape par étape إذن هذا بالنسبة كل شيء بالنسبة لتصحيح امتحان جهوي ل 2019